Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sous la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Journal Gazette Créole qui rentre la caillou, mais titre qui a dominé l'actualité dans le journal ça pour jeudi. Sept présumés bandits perdus la vie hier après-midi dans l'échange de coups d'âme avec la police dans la zone Vaudreuil, qui est une localité de la commune pleine du Nord. Il y a deux là-dedans qui sont en arrestation lorsque la police saisit quatre âmes et puis deux motocyclettes pendant l'opération. Kidnapper et enlevé 12 passagers qui étaient dans un bus dominicain parmi eux 8 citoyens pays Turquie. Ça passait à dimanche là dans Kuala Bouquet et Zonza qui c'est base 400 Marozoyo. Bernard Gay, un fonctionnaire dans DGI victime de kidnapping dimanche là dans la commune Pétionville, lycée assistant en direction opération dans bureau central, direction générale Impouyo. Et Léonore Basiline, 19, alias Gérouge, 19 ans, yon présumé membre gang 4 Marozoyo. Jeune arrestation le dimanche là, c'est soldat dominicain qui a arrêté li d'après ça. PNH a annoncé, on en fait connaître, ça a venu après yon alerte, la police haïtienne t'est lancée. Trois individus parmi eux, deux garçons et yon femme, Camillus Dorelus, Ridley Israël et Katian Agent. Une arrestation au samedi à Nascarobas dans le plateau central. La police saisit deux fusils d'assaut, un M14 et un M15 pendant l'opération CELA. Grève greffier aurait été la cinquième semaine li jeudi. Association nationale greffier haïtien a déploré malgré différents comptes avec le ministère de la justice. Finances et primature par aucune disposition qui prend pour satisfaire revendications greffier. Funérailles journaliste Carl Dieudonné était chanté samedi dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville, même famille qu'on fait dans la presse et rendu un dernier hommage. N'a pas tourné, c'était broché. Bonsoir tout le monde, technique là, c'est Evans Alcime et puis dans le micro, Nativita Prioli Pierre-Louis. Nous retournons pour l'état information. Yo, sept présumés bandits perdu la vie hier après-midi dans l'échange que nous avons avec la police. Ça passait dans la zone Vaudreuil, qui est une localité qui est dans la commune pleine du Nord, dans la zone département nos pays. Il y a deux individus en arrestation. La police saisit quatre armes avec deux motocyclettes. D'après ça, porte-parole PNH, département Nord, fait qu'on est. La question kidnapping là, on dit que les kidnappés enlevé 12 passagers qui étaient dans un bus dominicain parmi eux 8 citoyens pays Turquie et ça passait à dimanche là dans Kuala Bouquet qui c'est base côté gagné et 400 Marozoyo. Toujours dans quatre kidnapping là, gagné Bernard Gay, un fonctionnaire dans DGI qui victime ça kidnapping dimanche là, c'est dans commune Pétionville, lycée assistant en direction opération dans bureau central direction général impôt donc DGI.
et Léonore Basiline qui gagne 19 l'année et alias Giro journaliste présumé bon grand 400 Marozo journaliste sur le dimanche là c'est soldat dominicain qui a arrêté lui d'après sa appel achat annoncé pendant le préciser arrestation ça venu après alerte la police haïtienne t'est lancé dans sens ça. Toujours dans le cadre d'arrestation que la police fait, il y a trois individus parmi eux, deux garçons et leurs femmes, et Camulus Dorelius Ridley Israël et Katiana Jean, qui vient d'arrestation samedi à Nascar Basque dans le plateau central, et la police saisit tous deux fusils d'assaut, un M14 et un M15 pendant l'opération. Diverses membres de la population en plein an, dit Yogan, en pile chargé sous menace pour t'aguer une autre attaque qui fait encore dans la zone an, et face avec une nouvelle attaque et menace bandit et Katima Ozoyo a pas fait dans un message qui a circulé sur les réseaux sociaux, yo, qu'en passé, gagné, et collègues, moun connaît son nom, ça, yon, chef groupe criminel, ça, qui a popé dans le coin des bouquets, axon qui tout près, yo, et fait habitant, yo, connaît, et n'est qu'à Tamarouzo, yo, capable d'envahir, yo, encore, dans plusieurs quartiers, à n'importe qui moment, d'après témoignage, yo, et citoyens dans la zone, là. Et citoyens qui étaient dans le quartier malgré les violences grand examen, ils n'ont pas compris qui s'en prouve le vendredi alors que quelques-uns étaient désertés et ont été intention capable de retourner après la paix été observé jeudi passé. On nous suivre et témoignage citoyens ça qui était dans le micro Jean-Christophe Prophète. Jeudi après 23 mai 2022, mardi 4 mai, nous avons été retournés. Eh bien, il y a un peu de sabotage dans la zone encore. Eh bien, mardi 4 mai, la police s'est partie derrière M. Sayo. Maintenant, il n'y a pas qu'une opération dans la zone. Il y a une machine blindée, il y a un pile policier qui vient faire opération dans la zone. Tant que Big Boyer, tout côté, monsieur, il s'est mis en otage et la police s'est montée juste dans la cité Doudoum à faire opération ça yo. Et bien depuis mardi après-midi qui fait 4 mai, monsieur yo pas existé dans la zone ça yo encore. Et bien, mais on connaît gagné un pile monde qui était mort, gagné un pile monde qui était tout monde qui était quitté caillou, tout monde qui était caillou, et bien monde ça yo pourquoi jamais qu'à retourner la caillou. Gagné yon gros tension qu'a déroulé zone ça ta foudouya. Ça veut dire côté gagner nèg alarme k'ap voye mission bay moun sap bay moun ten noir barrière fait pour faire connaître zone ta yo y a bien récupérer zone ta yo la main l'autre moun qui dans zone là nous capable dire depuis hier tout parfois et circulation en fait mais on cadre tendu yo dit on sa ki nèg ap venir vous mettez moun dehors dans zone sap zone barrière fait ten noir et ben ouais que tout route bouché tout moun rentrer en Bacaban, donc à la plaine en général, je dis à, et fort autorité, prend ça en charge pour être capable, et ouais, qui ça, être capable de faire dans la zone d'Ayo, et nous capable de dire, présence la police, tout, la présence la police, tant qu'au Kafoumarasa, tant qu'au Chada, tant qu'au Marin, et bon repos, nous représentons la police. Ok, ou dit sous route Santo, bon côté de l'autre zone ça yo, ou représente la police. Maintenant, il y a une voice qui a circulé, ou identifié en tout cas avec un collègue et qui lui-même dans 400 Marozo, qui dit moun qui déplace yo, pas retourner la caillou. Est-ce qu'il y a l'aide ça, il touche les citoyens yo, c'est ça qui crée vent panique ça? Bien que on connaît grand événement ça, quand un peu moun mourir et le bandit yo toujours là, moun qui fait toi toujours là, et moun yo peut retourner la caillou. Mais voice ça et citoyen azami ou les collègues là la dit et depuis samedi 7 mai ça vient fait moun yo fait bac toujours yo fait bac gen moun ki en dehors qui t'a pris les familles yo dit est-ce que yo met retourner la caillou et moun sous place clair signe tout et qui dans l'école clair signe connaît que mérite ta ba énergie moun yo l'on l'école qui zone place clair signe yo mandé pour être capable de la caillou. Il y a moun tout qui s'est commencé à nettoyer caillou mais avec message et citoyen yo les citoyens Katamaro sacré les collègues là vous ba moun yo dit comme ça que à n'importe moment donné il y a retourné dans zone là encore et les ça maman petite m'arrivant ça qui fait là ça c'est fait plein jour parce que pendant 13 jours ça pas rien c'est kounya pour quelqu'un qui choye. Eh bien, tout le monde qui t'a fait idée
pour retourner, commencer à nettoyer les gens qui ne pas brûler, qui ne pas brûler bien entendu, et bien les gens sont obligés à observer toujours, et à observer, parce que yo ouais, ça quand on a aux oreilles qu'on dit vous y annonce yo ouais ça pas jouer, et ben mon yo obligé à observer toujours. C'est à cause population dit et population voyait aussi à le clair la police pour la police continuer prendre responsabilité pour faire les zones yo sécurité. Les Nations Unies qui délégué un peu tête chargée concernant la situation sécurité avec Douamouna qui a détérioré dans Port-au-Prince avec une zone qui est tout près de Lyon, dans la question d'affrontement qui a fait entre gang Axami aussi dans la commune Kwane Bouquet, Tabac, Axité Soleil. D'après plusieurs sources, pour piti, 75 moun parmi eux, femmes actives qui perdent la vie, 68 autres blessés, institution nationale et partenaires humanitaires ont estimé que pour piti 9 000 moun qui sont obligés de quitter la caillou pour aller réfugier dans une série de zones, tant qu'on a l'église avec dans l'école ou bientôt, une famille d'accueil. D'après ça, communiqué BINU a fait sortir, c'était vendredi passé. Nations Unies ont déploré qu'il y a plusieurs dizaines d'écoles avec et l'hôpital qui oblige à faire un portio et que y a pile citoyen qui a des difficultés pour jouer une poursuite de base, tant que de l'eau avec manger. Li basé sur rapport plusieurs acteurs locaux Nations Unies fait connaître gang d'ota même et fait acte violence sexuelle et sous Emon même tout viol collectif sous Timon qui gagne à peine et 10 ans pour catégoriser et puis intimider population locale là qui vivent dans zone gang examen contrôlé. En plus de ça rapport était chargé au montrer que gagne Timon ont recruté dans le niveau gang examen et en pile là ont exécuté Nations Unies qui mandé autorité nationale pour qu'on puisse juger foyer dans la lutte contre gang examio pour qu'on permettre l'autre là rétablir et puis rapidement dans le pays à dans respect droit monde et puis lancer appel tout pour qu'on poursuivre la justice tout le monde qui est responsable exact violence là yo on dit que organisation nos petits frères et sœurs la fondation Saint-Luc et qui est fait connaître il y a et fermé portio en particulier et activité dans l'hôpital Saint-Damien avec Saint-Luc qui a fermé à partir de lundi 9 mai ça jusqu'à nouvel ordre suite avec kidnapping qui fait sous madame Benetti Augustin qui c'est médecin pédiatre responsable clinique externe avec clinique d'épilepsie dans l'hôpital Saint-Damien jeudi passé hein. Et jusqu'à présent, il est toujours en même ravisseur. Et sa présence personnelle de santé, victime pendant plusieurs fois, yo incapable de prendre route là en toute sécurité et pour capable et venir travailler, soins santé pas capable de délivrer décision ça et venir pour cap exiger libération docteur Augustin Benetti pour demander autorité compétente dans pays à capable et garantir conditions sécurité qui permettent aux citoyens arriver et mener activité sans problème. Bien, et syndicat la police nationale la SPNH 17 qui dit les saluer j'effort la police là est déployée sous direction commandant chef AIA France LB pour rétablir l'ordre et puis péter la paix dans la plaine ak nan kwa de bouquet. Syndicat encourager autorité la police pour continuer sur route ça ak mandé toute population dans la plaine pour les rester vigilant face à menace attaque bandi et katan et marozoyo en suivre déclaration Jean-Elder Lundi, qui c'est le coordonnateur général SPNH 17. Décision pour écrire ça, c'est une décision que nous faisons en pile réflexion avant nous arriver sortir de ça. Vu par position SPNH, c'est toujours gagné face à une série de directeurs généraux. Mais nous-mêmes, au niveau SPNH, nous disons nous n'avons pas de vie pour nous camper en face. Aucun monde, aucune institution. Alors, le monde fait un bagage qui est bon, le monde peut aller dans une bonne direction, nous supposons que bali sac pour l'IA. C'est ça que fait, nous prenons courage nous, à demain pour nous écrire notre ça, pour nous féliciter l'autorité, pour nous féliciter le directeur général avec toute police qui t'a accompagné dans la position ça, pour le arriver à pacifier zone la pleine, mais plus particulièrement Butte-Boyer et Santo, Chada. Toute zone que bandi yo te gagné sous contrôle yo. Nous quoi que nous gè ça dans nous-mêmes ça veut dire ça pas veut dire que nous vendre mes nous mais nous seulement voulons donner à César ce qui est à César. Et nous-mêmes n'a toujours été un groupe un syndicat de gauche qui bataille
pour revendication policière capable d'arriver plus loin et pour capable faire une satisfaction tout, mais nous croyons qu'elle était nécessaire pour nous défendre ça. Mais n'a profité tout dire tout que faut pas chita sous ça et puis pour le camper, pour le penser tout est fini. Et d'après ça moi sur les réseaux sociaux, il y a pile n'a surtout une nèg 400 maro collègue qui fait qu'on est qui dit que yo, bataille là pour qu'on finisse, il y a pour retourner encore. Nous croyons que nous sommes obligés d'adresser nos populations zone la plaine encore pour nous dire, faut qu'ils soient très, très vigilants. Veillant ou veillant bas parce que nous avons retourner, nous avons retourné, nous avons retourné encore. Et faut que nous disions l'État, il faut que nous disions en général, là, il est supposé définir d'autres stratégies pour être capable de contrecarrer les gens parce que nous avons pour retourner encore d'après les réseaux sociaux, d'après les collègues et d'après plusieurs autres monde qui sont capables d'analyser l'actualité. Hein. Nous croyons que faut qu'ils soient faut que la prudence est de mise et nous pas qu'à quitter l'occasion ça passer tout sans nous pas toujours faire autorité au connaît que revendication SPNH, revendication police au propos jamais satisfait. Nous capable parler de nous t'ai toujours demandé 25 000 gourdes sur 4 débiens, nous t'ai toujours demandé 50 000 gourdes comme salaire de base pour policiers. Jusqu'à présent revendication ça au propos jamais nous jamais abordé. Et surtout, il faut que j'aime travailler sur réintégration inspecteur Jean-Hilder lundi, qui joue une révocation, qui est arbitraire et illégale.